on est tout près de Québec, en fait, c'est la dernière. C'est un petit peu le dernier crochet, disons, avant la ligne droite de Québec, quoi. Voilà, là on n'est plus très loin de Québec, je pense qu'on va y être vers 9h, là il est 6h30, voilà, dans 2h30, 3h, on est à Québec, on est à quai dans le bassin Louise. Voilà, et là on contourne une île qui est assez importante, qui s'appelle l'île d'Orléans. Voilà, c'est ça. Alors l'île d'Orléans, elle est juste avant Québec, justement, et il y a deux chenaux, il y a un chenal nord et un chenal sud, et on va chenaler par le sud. Pour toi, c'est la fin, Québec, ou pas? Ah non, pour moi c'est pas la fin, non, non, moi on a encore. Faut ramener, moi je reste jusqu'au bout, donc je faut ramener encore le bateau à Lorient là. Donc encore une petite transat nord jusqu'à Lorient avec une petite escale à Saint-Pierre-Miquelon, quoi. Pour dire bonjour à nos copains francophones et puis nos copains français et puis après. Donc il te reste à peu près combien sur le bateau? Voilà, il reste encore à peu près autour d'un mois à peu près jusqu'à l'arrivée à Lorient, quoi. Et t'es embarqué? Depuis Tuktoyaktuk. Donc ça fait un Donc bon ça mois fait, que t'es ouais, un mois et demi, ouais. En tout, ça va faire 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça. Bien voilà. Heureux, ça se passe bien. Ouais, ça se passe plutôt pas mal. On va retrouver un peu la civilisation là. On va voir, parce qu'on n'a pas vu depuis quand même. Depuis qu'on est embarqué quasiment tous là. Donc bon, ça va faire un petit choc. On va revoir les voitures, tout ça, tout ça. Mais bon, ça va être sympa, quoi. Ouais, Québec. Hein? Étape ultime, vraie grosse escale là avant qu'on rentre à Lorient. Bon voilà, c'est chouette. Moi, je réalise pas trop hein, pour l'instant où on est, ce que ça représente vraiment. Mais c'est comme sur les cartes postales pour l'instant. Et il neige. Hein, je pense qu'ici, c'est normal, c'est le climat quotidien en fait. On espère le grand ciel bleu, mais en fait, je pense que c'est normal, il neige toute l'année ici. Bon, c'est un peu une claque, comme on dit, depuis l'embarquement à Tours pour toi. Ouais, ici, ce qui est surprenant là, c'est que depuis sur le Saint-Laurent, on s'attendait à avoir des terres vraiment vierges tout le long, jusqu'à Québec. Et en fait, on est vraiment retourné à la civilisation là, petit à petit. Il y avait des lumières, des villes tout le long du fleuve. Et donc, c'est sûr que depuis, c'est le retour à la civilisation, quoi. Hein. L'Arctique, c'est fini. Et là, voilà, c'est une grosse ville, quoi, comme on en a vu tellement pendant Tara Océan. Et on sent que le retour à la maison, c'est bientôt, quoi. Ouais. Ah bah oui oui. Ouais bah oui, total là, hein. Une aventure qui se finit en tout cas pour la science, hein, puisque le bateau rentre jusqu'à Lorient après. Probablement dans des mers un peu difficiles. Mais pour nous, bah ça s'arrête, oui. Ça s'arrête, par contre maintenant il y a l'aventure à terre qui elle continue et qui s'amplifie maintenant. Bah oui, qui a continué, qui a commencé déjà hein, depuis un moment, mais qui va continuer. Qui est assez qui devient de plus en plus intéressante parce qu'on commence à voir des choses sortir, donc c'est un peu comme les quand on révélait les photos avec l'argentique là et on voyait l'image un petit peu sortir, bah, c'est ce qu'on voit en ce moment avec les données de Tara Océan. On commence à voir un petit peu se dessiner ce qu'on va trouver, quoi, donc c'est sympa. L'entrée dans le bassin Louise était un petit peu tendue, on s'est présenté une première fois avec un fort courant traversier, donc le bateau ne passait pas, on s'est retrouvé accosté, collé dans le sud du bassin, et donc on a fait un deuxième passage, cette fois plus au nord avec plus de vitesse, et ensuite à l'intérieur, bah, grâce à la réactivité de tout l'équipage, on a réussi à rentrer dans une petite boîte à chaussures. Avec le vent et puis tout ce qu'il y avait autour, donc un tout petit quai bas sur l'eau qu'on écrase à moitié et voilà, non, c'était un peu une fin de leg un peu tendue, un peu stressante, ouais.